Bonjour les enfants, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi aussi, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne, Je communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre, et aussi sur notre classe, sur WhatsApp, notre classe virtuelle des cours à distance. Alors aujourd'hui, je vous donne les révisions des cours qu'on a déjà vus récemment. Je vous présente votre livre, à nous le français, votre livre préféré. Allons-y, on va découvrir ensemble le cours d'aujourd'hui, c'est la grammaire. Voilà, je vous présente maintenant un cours vraiment très intéressant pour vous, c'est le genre du nom, le masculin et aussi le féminin du nom. C'est un cours de grammaire. C'est un cours de grammaire. Alors tout d'abord, comme d'habitude, il y a trois étapes qu'on va voir aujourd'hui. C'est je découvre, je retiens et enfin je m'entraîne. Trois étapes essentielles pour bien comprendre le genre du nom, pour bien comprendre le cours de français. Il s'agit ici de grammaire. Je découvre, il y a à peu près trois questions. Je retiens, c'est une règle qu'il faut retenir, qu'il faut comprendre. Et je m'entraîne. C'est une façon de s'entraîner, c'est une façon de comprendre bien et de maîtriser le genre du nom comme leçon de grammaire. Allons-y, on va découvrir ensemble je découvre. Allons-y. Allons-y, on va commencer par je découvre. Vous avez ici deux questions. Complète le tableau avec le groupe, avec les groupes nominaux surlignés. Et encadre ce qui te permet de choisir. On va faire vite fait cet exercice, c'est purement facile. Et deuxième exercice, s'il vous plaît, suivez avec moi. Complète le tableau ci-dessous. Ci-dessous, voilà. Voilà le tableau. Complète ce tableau ci-dessous avec les groupes nominaux, avec les groupes nominaux suivants. On va commencer par corriger ensemble le premier exercice. Suivez avec moi. Alors, la question est très simple. Je complète le tableau avec les groupes nominaux. Un groupe nominal et des groupes nominaux. Le groupe nominal, les groupes nominaux. C'est pluriel. Surligner et encadre ce qui te permet de choisir. Je complète le tableau au-dessous avec les groupes nominaux. Surligné et j'encadre ce qui me permet de choisir. Allons-y, on va découvrir ensemble ce type d'exercice et je fais vous comprendre comment le faire tout seul, sans l'aide de personne. Suivez avec moi. Voici les groupes nominaux. Surligner la règle, la classe, deux groupes égaux, l'extérieur des grands cercles, un ballon léger, toutes les fautes commises, l'équipe gagnante. Alors, je viens de lire les groupes nominaux. La règle, la classe, deux groupes égaux, l'extérieur du grand cercle, un ballon léger, toutes les fautes commises, l'équipe gagnante. Est-ce que vous avez bien compris, mes chers élèves? Je viens de lire les groupes nominaux. Mais la question me demande de compléter le tableau. Allons-y, on va découvrir ce qui est dans le tableau. Alors, je vois le tableau, il est composé de deux colonnes, groupe nominal masculin et groupe nominal féminin. C'est-à-dire, tout simplement, il y a un nom masculin et un nom féminin. Mais j'encadre, c'est ça le plus important. J'encadre ce qui me permet de choisir, c'est-à-dire tout simplement les déterminants. On a vu l'année dernière les déterminants, comme exemple de des articles définis, des articles indéfinis, comme exemple de voilà, déterminants possessifs. Ah voilà, déterminant démonstratif. Oui,
Oui. Des adjectifs indéfinis. Voilà. Ils sont tellement nombreux à préciser. Mais notre leçon, c'est le genre des noms. Ça veut dire le masculin et le féminin. Je vais identifier les groupes nominaux qui sont en masculin et je vais identifier les noms ou les groupes nominaux qui sont au féminin. Alors, suivons, s'il vous plaît, l'exercice. Alors, je complète le tableau sans peine de faire compléter. On va choisir 10 couleurs. C'est-à-dire, on peut choisir ça. On peut choisir, par exemple, ce cercle. On doit tracer ou doit entourer les groupes nominaux masculins. La règle est facile à appliquer. La règle. Non. On divise la classe. La classe, non. Deux groupes égaux. Parce qu'on dit un groupe égal. On a déjà expliqué ici. Deux groupes égaux. Pourquoi je choisis deux groupes égaux? Parce que le singulier de deux groupes égaux, c'est un groupe égaux. Un groupe égal, pardon, un groupe égal, égal, égaux, qui vient de égalité. Alors, si vous ne comprenez pas quelque chose, prenez s'il vous plaît votre dictionnaire et vous cherchez le mot qui est, d'après vous, difficile. Une équipe se place à l'extérieur du grand cercle. Ah, voilà, l'extérieur du grand cercle, l'extérieur. Alors, je vois le nom ici, c'est l'extérieur. C'est le chef du groupe cercle, l'extérieur du grand cercle. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le groupe nominal. Mes chers élèves, suivez avec moi. Pour jouer, il est important d'avoir un ballon léger. Un ballon léger, tout simplement. Un ballon léger, c'est un groupe nominal masculin. Alors, je viens. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'entoure le groupe nominaux, les groupes nominaux masculins. Vous avez compris? Les groupes nominaux masculins. Alors, ici, l'arbitre sanctionne toutes les fautes commises. Toutes? Non. L'équipe gagnante est celle qui marque le plus de points? Non. Alors, je viens tout simplement d'entourer les groupes nominaux masculins et tout ce qui reste, le groupe nominaux. Les groupes nominaux féminins ou un groupe nominal féminin. Par exemple, la règle, c'est un groupe nominal féminin. Par exemple, la classe, c'est aussi féminin. Par exemple, toutes les fautes commises, c'est féminin. L'équipe gagnante, c'est féminin. Bon, pourquoi? Parce que, alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois encadrer. Ah, pardon, attention là. Alors, je dois tout simplement encadrer ce qui me permet de choisir. Par exemple, ici, la règle, c'est tout simplement, il y a là, ici. Vous avez compris maintenant? C'est facile. C'est comme un jeu d'enfant. Vous n'êtes pas d'enfant, quand même. Alors, il y a ici, je parle ici du féminin. Il y a ici toutes les fautes, toutes les fautes. Toutes les fautes, et ici l'équipe, elle, apostrophe, on veut dire une équipe, l'équipe gagnante. Alors, ce qui te permet de choisir gagnante, il y a aussi gagnante. Alors, commise, oui. Parce que commise, c'est un adjectif au féminin. Voilà. C'est bien. Alors maintenant, le masculin. Ce qui permet de choisir, c'est deux, tout simplement. Il y a deux, le nombre deux, c'est pluriel. Il y a l'apostrophe ici. Oh, pardon. Oula. Il y a l'apostrophe ici. Et en même temps, oui, l'apostrophe extérieur. On dit un extérieur. Il y a un ici. En même temps, il y a le mot léger. Aïe, 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 aïe. Il y a le mot léger. Léger. Pardon. Léger ici, c'est. Pardon. Léger, c'est un adjectif en masculin. Alors, je peux sélectionner ici. Voilà, léger. Alors, il y a aussi, ça y est, l'équipe gagnante. Ah, pour l'équipe gagnante, c'est l'autre. Bon, voilà. Alors, je répète, là, il y a deux. Il y a l'apostrophe. Il y a un. Il y a toutes les. Il y a aussi l'adjectif comme exemple de gagnante. Alors, gagnant, c'est un adjectif féminin. Alors, bien sûr, le nom féminin. Il y a commise. C'est un adjectif au féminin. Alors, bien sûr, faute, c'est féminin. Il y a léger, comme ballon. C'est masculin.
Voilà. Il y a aussi ego. Oh, on a déjà oublié ça. Ego. Ego, c'est un adjectif au masculin. Bien sûr, pluriel. Voilà. Voilà, vous avez bien compris maintenant. Alors, je répète encore une fois, la classe, le groupe, on commence par les groupes nominaux masculins. Il y a deux groupes égaux. Il y a l'extérieur du grand cercle, un ballon léger. Et tout ce qui reste, ce sont des groupes nominaux féminins, la règle, la classe, toutes les fautes commises, l'équipe gagnante. Maintenant, passons à l'exercice de. Voici donc la correction, c'est une sorte de révision. Lisons ensemble. Je complète le tableau ci-dessous avec les groupes nominaux suivants. La mouette, son jardin, un lit, une journée, l'ami, ma voiture ce matin et l'oiseau. Alors, il y a plusieurs groupes nominaux. La mouette, son jardin, un lit, une journée, l'ami, ma voiture ce matin et l'oiseau. Attention, ce cours, c'est pour les élèves de quatrième année primaire, CM1. Alors, il y a ici groupes nominaux. Il y a féminin, il y a masculin, il y a deux termes. Commençons par le petit mot qui se trouve toujours avant le mot. Le petit mot s'appelle déterminant. C'est ça qui détermine le genre. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Commençons. On peut choisir toujours le cercle comme l'exemple de masculin. La mouette. La mouette, ce n'est pas un nom masculin, c'est féminin. Alors on dit son jardin, oui. Le groupe nominal, c'est son jardin. C'est au masculin. Et bien sûr, le déterminant, c'est son. Un lit, c'est très bien, oui, un lit. C'est très bien, vous avez bien répondu. Très bien, vous avez bien répondu. Vous avez bien compris maintenant. Très bien, mes chers élèves. Très bien, bravo. Un lit. Alors, un, c'est un déterminant. Lit, bien sûr, c'est un nom masculin. Et groupe nominal, tout ça, c'est un lit. Une journée, l'ami, ma voiture, ce matin, oui, ce matin. Ce matin. Et aussi l'oiseau. L'oiseau, très bien. L'oiseau, c'est l'apostrophe. Alors, on a son jardin, un lit, ce matin et l'oiseau. Alors, son et un et ce et l'apostrophe, ce sont des déterminants et le nom encadré, bien sûr. Et le nom qui accompagne, c'est un nom au masculin. Ou on peut dire aussi un groupe nominal au masculin. Des groupes nominaux masculins. Alors, les groupes. Alors, pour le féminin, c'est là. Bien sûr, une, ma, et elle apostrophe. Attention, elle apostrophe, peut-être on trouve dans le nom masculin aussi le nom féminin, mais ici, elle a mis avec E ici, hein, n'oublie pas E ici. Alors, marque ici la marque du féminin. Bon, on a bien compris ces deux exercices. Passons à la troisième pour maîtriser ce genre de nom. Allons-y. Alors, jusqu'ici, je maîtrise bien et je comprends bien la leçon. Le genre du nom, c'est-à-dire, il y a un groupe nominal au masculin, il y a aussi un groupe nominal au féminin. Pour préciser, est-ce que c'est un groupe nominal au masculin ou au féminin, je vois le déterminant. Lorsque je vois un déterminant comme un, une, pardon, comme un, le, mon, etc., l'apostrophe, parfois, c'est un groupe nominal masculin. Ou peut-être aussi un adjectif, c'est-à-dire un adjectif au masculin. C'est-à-dire tout simplement, il y a un nom ici, il y a un nom qui se trouve au masculin. La même chose pour les féminins, lorsque je vois une, la, par exemple, cette, ma, tout ce qui est féminin, par exemple l'adjectif, bon, c'est un groupe nominal au féminin. Allons-y, on va découvrir ensemble cet exercice. Écris le genre féminin ou masculin après chaque groupe nominal en gras. Pour chaque groupe nominal en gras. Il y a le jeune homme, il y a ses longs bras. Alors, je vais tracer ici pour me suivre. Hein. Attention, je vais tracer ici pour me suivre. Alors, il y a le jeune homme, hein. Vous avez compris? Voilà. Alors, qu'est-ce que je trace ici? Je trace des groupes nominaux. Ses longs bras, ses jambes, voilà, c'est très simple. C'est très simple, cette leçon. Un grand sourire, son visage.
Qui d'autre? Oui, sa pauvre mère. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, il reste d'autres. Une longue lettre. Voilà. Expliquons qu'est-ce que t'es longuement étiré et qu'un miracle. Voilà. Un miracle. Un miracle. Puis il s'annonce à travers la brousse. La brousse. Une course folle. Alors, qu'est-ce que je viens de vivre? Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Vous posez bien sûr cette question. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il trace ce qu'on appelle des groupes nominaux. Mais est-ce que c'est un groupe nominal masculin ou féminin? Bien sûr, pour le savoir, il faut tout simplement voir le petit mot qui est devant chaque groupe nominal. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je dois toujours mettre en couleur. On choisit toujours le cercle vert comme masculin et le cadre rouge comme féminin. C'est une sorte d'identification, tout simplement. Alors, le jeune. Alors, je vois ici le jeune. Voilà, le jeune homme. C'est facile. Ah, oui, une jolie intense. Voilà, c'est très bien. Ouh, j'ai oublié ce groupe nominal. Ce groupe nominal. Voilà, alors, je dois choisir, par exemple, ici, le cadre. Parce qu'il y a une. Une, c'est un déterminant féminin. C'est l'ombre. On dit à l'ombre. À l'ombre. Et aussi un adjectif. Parce que le féminin de l'adjectif de l'ombre, c'est langue. Langue. Hein? Et ici, long. Alors, long, c'est masculin. Alors, normalement, ici, c'est masculin. Alors, je choisis le cercle. Hein? Alors, pardon. Le cercle vert. Voilà, je viens de comprendre maintenant. Qu'est-ce que c'est? Je viens de comprendre maintenant ce cours de grammaire. Alors, ici, ses jambes, on dit la jambe. Alors, c'est féminin. Ses jambes, la jambe, sa jambe. Un grand sourire. Bien sûr, c'est masculin. Et aussi, voilà, on peut aussi un grand sourire. Son visage. Un miracle. Voilà. Alors, pour le féminin, on dit ça. Il y a aussi une. Très bien. Il y a aussi là. Très bien, il y a une efficace, 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 efficace. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Pour moi, vous êtes les meilleurs. Parce que vous maîtrisez le français. Maintenant, vous avez bien compris, d'après ces trois exercices, c'est facile. Alors, on peut choisir ici, c'est M ou F, comme on a déjà vu dans la leçon interactive. Hein? Dans la leçon d'extractif de WhatsApp, alors on peut choisir F comme féminin et M comme masculin. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est, le jeune homme? Ah, oh, j'ai entendu la bonne réponse de la part de ce monsieur, de ce petit monsieur qui me regarde. Voilà, c'est M. Alors, une, c'est quoi? Oh, vous ne comprenez pas. Une, oh là là, c'est F, bien sûr. F, c'est féminin. C'est long. C'est l'ombre, c'est quoi? M. C'est facile. Voilà. C'est masculin, c'est jambes. F. Voilà, c'est très bien. Un grand sourire. Les petits CM1 arrivent. Un grand sourire. Parfois, je parle en arabe, mais fréquemment, je parle français. J'ai pris l'habitude de parler en français fréquemment. Mais ma langue française est plus facile. Bon, qu'est-ce qu'on dit pour un grand sourire? C'est masculin. Son visage, le visage, mon visage, ton visage, son visage, c'est masculin. Attention, est-ce que j'ai commis des fautes? Non, tu es juste, oui, très bien. Vous me suivez, bien sûr. Ah, voilà. F. F, bien sûr, c'est un nom. Une longue lettre. F. Très bien, vous avez bien compris maintenant. Un miracle, M. La brousse, M. Non. Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur? C'est F. On dit la brousse. Alors, une course, F. Alors, toujours, il faut réviser. Hein. Le jeune homme masculin parce qu'il y a le. Très bien. Une joie intense,
une joie. C'est féminin parce que les une, c'est déterminant. C'est long bras. M. Pourquoi masculin? Parce qu'il est un adjectif long. Le féminin de long. C'est longue. Très bien. Vous avez bien compris. Un grand sourire. Un est grand. Masculin. Son visage. Masculin. Sa pauvre mère. Féminin. Une longue lettre. Féminin aussi. Un miracle. Masculin. La brosse féminine. La brosse féminin. Une course folle. Féminin. Alors, pour la première partie du découvre, on a vu trois exercices, ça suffit pour aujourd'hui. La prochaine sera pour je m'entraîne. Mais quelques exemples seulement, quelques exemples d'exercices, surtout le plus difficile. Allez-y, au revoir, à la prochaine vidéo. C'était avec vous, monsieur, c'était le prof de communication ici à enseignant de français pour les écoles primaires. Portez-vous bien et au revoir à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à notre chaîne du Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. C'est de la communication, c'est de la langue pour parler, pour bien comprendre la langue française, la langue aimée par tous.